truc. Ah! Il se passe. Bim! Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ah, Teddy, coucou! Et aujourd'hui, on se retrouve pour Granny 1. C'est parti, on va lancer la game. Mais aujourd'hui, on a un but bien précis. On se met en mode easy, car nous allons tout simplement martyriser Granny. Voilà. Voilà. On va les défoncer de toutes les façons possibles. Donc, je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons pour neutraliser Granny pendant un petit moment. Et c'est parti. Je vous en nomme quelques-uns. Le shotgun, le slingshot, le pepper spray. Il y en a un, il est vraiment très drôle. Et on verra à la fin de la vidéo peut-être. Donc, c'est parti. Alors, je lance le truc. Alors, faut savoir, moi, je suis pas très très fort. Et pourtant, j'aime bien Granny. Mais bon, je suis pas très très fort. Donc, on va être un peu distant envers Granny. Ah, par contre, on a quelque chose pour la défoncer, évidemment. Alors. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va renverser le vase. Et qu'on va aller dans l'armoire. Car c'est tout simplement. Ça fait du bruit, donc elle vient. Et on va attendre qu'elle arrive tout simplement. Ah, elle est là. Ah, bah tiens, voilà quelqu'un. Donc là, hop, on court. On court, on court, on court. C'est parti. Heureusement qu'elle n'a pas posé de piège. Alors, on regarde un peu. Ah, le bouc, intéressant. Ah, bon, elle nous a sûrement entendu. Elle veut peut-être descendre, à mon avis. Alors, on va la tirer. Ah, coucou, ça va? J'imagine que ça va. Pourquoi tu viens derrière? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu fais. Va poser un piège à mon avis. Bon, j'aimerais bien savoir si tu montes ou pas, Gragra. Alors non, il me semble pas qu'elle monte. Alors je pense que on va passer par là. On va faire ça. Hop. Granny. Je suis ici et non, j'y suis plus. On va passer par là. Hop. Ah. D'accord. Bon. Je sais pas de quel côté elle est. Granny. Il me semble qu'elle est passée par là. Enfin, par derrière, du coup. Donc, on va commencer par avoir. Ah! Coucou! Par avoir la Weapon K ou le shotgun. J'aimerais bien avoir la Weapon K. Puisque c'est plus simple. Puisque dès qu'on a la Weapon K, on peut tout simplement prendre le truc. Ah! Tu m'as fait peur, Granny. Bon, que fais-tu? Merci beaucoup. J'aimerais bien que tu montes. Comme ça, nous, on peut descendre. Hop, 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 hop. Qu'y a-t-il dans la boîte à gants? Oh, ça commence très très bien. Alors, on va le mettre là. On va faire tomber un truc, comme ça, elle va venir. Hop. Comme ça, nous, on pourra passer. Alors, il me semble qu'il n'y a rien là-bas, dans le truc. Donc, on va monter. Et on va voir ce qu'on va faire. Donc là, elle descend. Hop! On passe par là, au cas où elle aurait posé un piège. Donc, évidemment, on va se mettre ici, juste là. Ah, elle est là-bas. Ah, donc elle vient. Ah non, elle vient pas. Ah, je suis pas là. Ouh. Heureusement que je suis pas là, hein. Ah voilà, j'avais raison, elle a posé un piège. Donc heureusement que je suis pas. Ok, bon, elle va là-bas.
Alors. Ah, j'ai une idée. Du bruit, elle va venir. Elle a intérêt. Coucou! Ça va? Ça va, Granny? Waouh! T'as pas des très beaux yeux, hein? Pourquoi j'ai la musique alors qu'elle est partie? Oh oui! Ah, ça, c'est vraiment cool. Gasoil. Bon, bon, bon. Ben, voyons. Granny, si tu venais, ça serait pas mal. Je suis pas là. Ah, elle est passée ici. Ah! Une botte pleine de ketchup. C'est rigolo, ça. Elle dit, where are you? Moi, je dis, où je suis? C'est logique. On a eu très très chaud. Coucou! Ça va, Gorani? Tu es moche! Ah bah, qu'est-ce que tu es moche! Un peu de distance quand même, hein? Non! Mais pourquoi ça marche pas? Mais comment ça? Petite granny là. Mais quoi? Bah oui. Un quatrième. Un cinquième? Mais regardez, elle en a posé quatre. Mais elle est folle. Et elle en pose un cinquième à un autre endroit. Lui, il va. Ah ouais, cool. Hop. Ok, allez, hop, on se casse. On se casse, on se casse. On se casse, on se casse. Non! Allez! Bouge! Ouf! Ouais! Ça sera bien fait pour ta grosse tête là. Et tu peux pas te baisser, vu que t'es une vieille mémé. Bah, que t'es vieille. Mais qu'est-ce que t'es vieille là? Mais qu'est-ce que t'es vieille? Oh là là, elle se fait vieille, gragra. Ici. Puisque bon, faut pas abuser non plus. Ok, donc j'ai les deux parties du shotgun qui manquent. Tiens, tiens, tiens. Ah bah tiens, voilà quelqu'un. Bon, je trouve que t'as bien bronzé, Granny. Ah, tu me cherches, hein. Tu sais pas où je suis, hein. Très problématique. On va passer en douceur. Ok, la deuxième partie qui est faite. On va voir s'il y a un objet ici, il n'y a rien. En y allant, tout simplement. Maintenant, on va lui péter.
Ne pose pas un deuxième piège, hein, t'as pas intérêt. T'en poses pas un deuxième. T'as pas intérêt. Non mais de toute façon, nous deux n'y gagnons rien, voilà. Ça, ce sont des bonnes décisions. Maintenant, je vais te défoncer. Tu m'as fait souffrir. Et bien maintenant, c'est toi qui vas souffrir. Tu veux goûter à mon hameau? Voilà, elle va venir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas crever. Je suis un peu démoniaque. Granny! Granny! Ah, elle est là. Tu viens? Que je t'éclate ta grosse tête? Ben, qu'est-ce qui se passe? Bim! Dans ta grosse tête! Ben, qu'est-ce qui se passe? On est mort? Ben, qu'est-ce qui se passe? On est mort devant les escaliers? Elle m'a fait peur. Elle est toute gentille, Gragra, maintenant. Ah, il est toute gentille, là, tout d'un coup. Bon. On va le poser ici, pour l'instant. Et on va tout explorer. Ok. Moi, j'aimerais avoir la Weapon Cage. Bon, c'était nul. Nul, Jamy, nul. Ok. That is good. Merci, j'ai un accent juste incomparable. Alors, on va faire ça. Je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, elle est morte pendant 2 minutes 30. Gragra. Ok, on a le hammer, elle n'a pas intérêt à ressusciter notre petite Gragra, car elle est faite pour mourir toute sa vie, la logique. Granny, ah elle est là Gragra, ah bah tiens voilà quelqu'un, Granny. Mais Granny, je suis ici. Granny! Voilà. T'as une canne, Granny? Quelle grosse merde. Ouais, le remote control. Bon. On va faire ça. On va faire ça. Hop. Mais je pense qu'on va le balancer. Hop. 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 Granny muerte. Hop. Ok, on a le pepper spray. Est-ce qu'on peut se cacher ici? Oui, ça a l'air bien nul comme cachette. Hop. On va recharger le shotgun. Et on va shooter notre mémé préféré. Pas du tout. Voilà. C'était gratuit. Car elle n'est pas notre mémé préféré. Et on va tirer à l'endroit où, vous le savez bien, se trouve... Ça dépend. Où se trouve... Le meilleur objet qui existe vraiment, c'est ce qu'on voit là-bas, là. C'est trop bien. Bam! Dans ta tête. C'est trop drôle, vraiment. C'est le freeze trap.
Je sais pas dans combien de temps Granny va ressusciter. Et j'aimerais bien savoir, car elle va ressusciter dans pas longtemps. Granny! Ah! Tu m'as fait flipper, Granny! Mais tu veux pas marcher là? Tu veux pas venir ici? Car le but est qu'elle marche dessus. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est trop drôle. Ah! Chez. T'as bien le seum là. Ah, tu t'es cassé en morceaux. Granny cacahuète, toi. Ah, elle est trop nulle, Granny, de toute façon. La réalité, je me fais bolos H24. Hop. Bon, on va regarder un peu. Le but n'est pas forcément de... Ah, la Weeponkay! Let's go! On a la Weeponkay. Bon, là, on a tout pour défoncer Granny, en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire, hein. Ne vous détrompez. Détrompez-vous, en tout cas. Nous allons défoncer Granny. Parce que tu es bien moche, Granny. Et je te dis la vérité, t'es trop moche. Donc, où est notre salle d'armes? Je pense sous la table. Ce serait pas mal comme salle d'armes. Ah oui, il nous manque le shotgun, c'est vrai. Ah, d'accord. Ça, c'était un peu dommage. Hop. Ne vous inquiétez pas, on va l'utiliser, le pepper spray. Il faudra bien l'utiliser un jour. Elle me fait tellement rire, Granny. Quand elle est nulle comme ça, là. Quand elle est en morceaux. En morceaux! Non. Alors, il faudrait qu'on reprenne le shotgun. Ça serait pas mal. Hein. Et on aura fini notre mission, je pense. Le shotgun, on va la faire venir parce que je pense qu'elle a ressuscité. Wesh. Bah alors, Granny. Ben alors, Granny. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu t'es fait défoncer. Ta 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 ta. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait défoncer. Pas là, pas là. Par un gars qui est un beau los. Oui, je suis un beau los, mais pourtant j'ai réussi à la défoncer de toutes les manières. Ah non, il manque encore le pepper spray. Promis, on le fera puisque c'est vraiment drôle. Elle est pathétique quand elle se prend le pepper spray. Désolée pour toi, Granny, mais c'est vrai, tu es pathétique. Tu es pathétique. Pathétique. Désolée de te le dire, mais tu es pathétique. Alors. Ah! Le bug. Non? Tu arrêtes de bugger. Là, c'est bon. Tu bugs pas. Un peu.
Mais ça va. Il ne tremble pas. Chut. Au bout d'un moment, on n'en a plus, donc faut arrêter. Hein. Il ne faut pas jouer avec le pepper spray. J'adore le bruit. Non, pas du tout. Tu vas te faire défoncer. Pas là. Alors, il est temps de se réveiller de la sieste, Granny. Elle est là. Ah, t'as trop le seum. Ah, qu'est-ce que t'as le seum. Ah, je me fais tuer. Ouf. Alors, Granny, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? On est nul? T'es nul maintenant? Bam! Qu'est-ce qui va. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es morte comme nul! T'es nul! Nul, Granny! T'es nul! T'es nul, Granny! Pourquoi t'es nul? Ah! Ah bon, ok. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo aujourd'hui. Moi en tout cas, j'ai vraiment surkiffé. C'était trop drôle. On a défoncé Granny par tous les moyens. Donc on